أخوتي المغاربة، السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. أخوتي بيانتو يفابوغ أن أوفراج ماريتيم أونتر الماروك إي الإسبان. هاد البروجي إلي أون جيستاسيون دوبي بليزيوغ زاني. كاين بليزيوغ إتود كيزون إيتي فايت باغ لي إيتازوني، باغ لا غراند بريتان، باغ لو ماروك، الإسبان. إي دونك مين دارو هاد لي إتود هادو دابا. On passe d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne maritime, une liaison entre le Maghreb et l'Espagne. Et donc, pour relier les deux rives voisines, il y a une distance de 14 km. Donc, c'est un vieux rêve qui va bientôt se réaliser, Inch'Allah. Et donc d'abord, on ne sait pas si c'est un pont ou un tunnel sous-marin. Donc il y a eu plusieurs études qui ont été faites pour creuser un tunnel comme le tunnel sous la Manche entre la Grande-Bretagne et la France. Malheureusement, on n'est pas sur la même plaque tectonique. Le Maroc se trouve sur la plaque africaine et l'Espagne sur la plaque eurasienne. Et donc techniquement, ce n'est pas possible. On redoute qu'il y ait des tremblements de terre comme en 1755 en Andalousie, un grand tremblement de terre terrible. Donc du coup, l'ouvrage risquerait d'être endommagé. Et donc, on a abandonné cette idée. Après, il y a une deuxième idée, c'était de faire un tunnel suspendu. Mais le problème, le tunnel suspendu, c'est qu'il va falloir construire des piliers de 900 mètres de haut avec un fort courant, parce qu'il y a un courant énorme entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Et donc, il ne va pas tenir dans le temps. Et en plus de ça, l'infiltration d'eau de mer risque de détériorer les matériaux. Donc la rouille risque de fragiliser la structure. Et donc, la solution la plus plausible, c'est vraiment d'aller remplir les 28 km de profondeur avant le grand ravin des 300 mètres. Et donc, il y aura deux rives de chaque côté. Donc, c'est un projet quand même pharaonique. Et à partir de là, le petit restant qui reste, les 2 km restants, on peut faire un pont suspendu, comme on le voit ici dans la vidéo. Et ben voilà les amis, donc là maintenant les études sont lancées. Donc d'après le secrétaire d'État du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, chargé du transport, donc voilà, ils veulent annoncer, après la phase d'études, donc ils veulent annoncer maintenant que le délai serait d'une à deux années pour pouvoir passer ensuite à la phase suivante qui est le financement. Sachant que la phase du financement, c'est 4 milliards d'euros. Et donc, ce projet va créer 350 000 emplois de chaque côté de la rive. Donc, c'est vraiment un grand projet qui tient à cœur. Et ben voilà, les amis, le Maroc avance, les ennemis aboient. Alhamdulillah, à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, les amis. Et ça me tenait à cœur de vous montrer.